Les filles, je compte sur vous. J'ai pas de café, mais si vous voulez un chocolat... Ou... Non, non, merci, ça ira. Je préférerais qu'on commence l'évaluation parce que j'ai d'autres familles à voir derrière. Alors, monsieur Patard, comment on gère l'argent dans cette maison? On gère comme on peut. Par exemple, le samedi midi, on va au supermarché et puis on pique-nique dans les rayons. C'est malin. Malin, oui, c'est le terme approprié. Attendez ! Je crois qu'on a encore oublié le chèque de cantine. Retirer la garde des enfants. Être seule toute la nuit, attendre son père au commissariat. Salut Michel. J'approuve donc la recommandation du procureur qui préconise le suivi d'un stage de responsabilité parentale. Ça, c'est la position dite de l'écoute complète. Je repasse quand t'auras fini ta sieste. Oh putain, excuse-moi. Vous croyez que j'ai le temps d'aller boire du thé en mangeant des petits fours? Je suis là pour le bien-être de vos filles. J'en peux plus d'être bizarre, de pas être comme tout le monde. J'en ai marre d'être moi. Je comprends bien ton problème et j'intègre complètement ton point de vue. Tu parles vraiment trop bizarre, toi, depuis que tu fais le stage. On vient tous barges dans cette famille. Je veux ma maman. À partir de maintenant, la priorité, c'est ma fille. Faites l'ado, quoi. Tu l'aimes bien, en fait. Je rigole. Monsieur Patard n'a pas respecté ses engagements. Lance la procédure judiciaire. Faut que tu les vois ensemble. J'aimerais bien, moi, faire les choses au feeling, sans penser aux conséquences. Oh. Vous avez une chèvre? Oui.